Peuple Garmi, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on part sur le patch 12.14. Il y a plein de trucs à dire, ça va être incroyable. Et on va commencer rapidement par la suite. Par la suite directe, on va dire Aatrox, nerf de Aatrox globalement. Il se soignait trop, donc on augmente ses HP de base et on réduit les heals qu'il reçoit globalement. Donc ce qui me paraît quelque chose de plutôt tout à fait correct hein, quand même sur Aatrox. Voilà, nerf de Aatrox. Up de Alistar, ce qui fait que maintenant le CD de son Q-spell va match le CD du Z. Avant, il y avait un décalage quand même d'une seconde. À noter, c'est important quoi. Ce qui est vachement cool. Comme truc, donc on pourrait max AZ, AZ, AZ potentiellement pour avoir des combos plus réguliers à voir. Donc up de Alistar qui est plutôt sympa. Nerf de GP. On vire ses HP de base, on augmente son stacking de HP par level. Mais on nerf aussi sur l'armure de base, nerf des dégâts aussi de base du Q-spell. Donc en fait, il aura un early un peu plus faible. Par contre, en late, son passif fera plus de dégâts parce qu'il y aura un scaling avec le crit. Son E, les barils vont faire moins de dégâts. Donc je trouve ça cool. Vraiment, il y a un peu moins de dégâts sur le GP en late, mais... Il y a un scaling avec le ralentissement sur le crit. Donc bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est GP plus faible en early. Alléluia! Enfin, qu'est-ce qu'on a ici? Gnar. Gnar, c'est un nerf global de Gnar. On baisse ses HP de base, on baisse sa régénération de HP. Up de Janna. Up de Janna quand même, au niveau du montant du shield et au niveau du soin de la mousson. Janna qui était déjà un pick très fort depuis quelques temps. On en avait parlé dans quelques tier listes de champions. Mais le pick était fort et je pense là, vraiment, il va revenir. Jarvan. L'étendard des Mastiens qui avant n'avait pas de scaling, de réduction de CD avec les levels, maintenant si. Donc on pourra très bien essayer de max l'étendard des Mastiens. Parce que en fait le Q-spell de Jarvan c'est 10 secondes et l'étendard au max ce sera 10 secondes. C'est en fait ce que vous voulez. Le Q-spell évidemment qui gagne du stacking d'AD un petit peu plus, donc toujours très sympa. Kayne qui se fait nerf. On augmente un peu comme Aatrox, on augmente sa quantité de HP de base et on diminue son heal. Parce qu'il y avait trop de heal. Comme il y avait un nerf d'anti forcément. Up de Leblanc, mana base, régénération de mana. Et les dégâts de sa distorsion en late game, très important, donc à voir. Passive Nocturne qui a été ajusté, ça en résulte en un léger up, je pense, normalement. Panthéon, c'est un gros up de Panthéon dans la jungle, on augmente drastiquement les dégâts de son Q-spell sur les monstres de la jungle. Nerf de Renata, qui était un petit peu trop forte en ce moment, au niveau de ses HP de base et de son AD, donc bon, moins de HP, en early, ça peut compter pour le focus. Nerf de la Séraphine, mérité aussi, complètement, il n'y a pas trop de soucis. Regardez le scaling AP, on perd 10% de scaling AP, donc on verra peut-être moins de Séraphine mid, hein. Ce sera surtout ça l'idée, c'est peut-être moins de Séraphine au niveau de la mid lane. Sivir, alors... Il y a un petit changement, un petit bug fixe au niveau de son Q-spell. Et le Z va maintenant en fait exécuter les sbires low HP. C'est pour faciliter le stitching, c'est ok. Teemo, up de Teemo global. Mana, augmentation de mana. Les shrooms qui vont aller un petit peu plus loin des niveaux 1. Les dégâts qui sont augmentés, le scaling, c'est les coûts en mana réduits. Bref, up de Teemo. Petit up de Varus, en mode il existe le perso, n'hésitez pas à le jouer. Voilà, 3 d'AD, ça vaut ce que ça vaut globalement, 3 d'AD. On est à 105 gold de valeur à peu près, voilà. Wukong, c'est un petit nerf de l'early. Enfin, non, c'est, en early, ça devrait pas changer grand-chose, mais en late, ça devrait nerf légèrement sa régénération, d'après ce qu'ils disent. En fait, c'est très léger comme changement. Yuumi, c'est juste un nerf, tout simplement, sur son E, sur son heal de Yuumi. On nerf un petit peu le ratio AP. Zeri, alors Zeri va maintenant, quand elle va faire clic droit sur les sbires avec son passif, tuer les sbires qui sont low HP. Ça dépend de leur point de vie et de votre level, mais globalement, c'est plutôt cool. Il y a un scaling AP dessus, voilà, truc assez rigolo. Et son ulti se fait nerf en termes de dégâts. La Campaign Chainsword, qui était un thème qui avait 125% de cost efficiency, se fait nerf. Les items enchanteurs se font nerf aussi, avec trop d'enchanteurs, ça donnait trop de heal, trop de shield, ça se fait nerf. Et comme Yanila, je suis pas trop surpris. La Sunfire, on diminue les dégâts de base et on augmente le scaling des dégâts avec les HP. Donc c'est un thème qu'on verra peut-être moins sur des Diana et autres, et qu'on verra plus sur des tanks. Ça c'est cohérent pour moi, voilà, pourquoi pas. Les potions, on réduit les HP des potions, y compris potions rechargeables et potions corruption. On réduit les cookies. On augmente le C de la bonne plate, c'est nerf de bonne plate, nerf de conditioning, nerf de gardien, up de scorch, nerf de second souffle, up de sudden impact, nerf de time warp tonique, nerf de unfinishing. En gros, tout ce qui est tanky, on le nerf, et tout ce qui est DPS, on le up. C'est des légers up, mais j'aime bien la direction que ça prend. Le smite, on enlève 10% de réduction de dégâts. L'exhaust, on enlève 5% de réduction de dégâts. On veut des dégâts. Voilà, c'est pas de durabilité, mais après pas de durabilité, on remet des dégâts dans le jeu. Les dragons, gros changement sur les dragons. Globalement. Les dragons font un petit peu moins mal, les dragons par contre ont plus de points de vie, qu'on soit d'accord, mais ils donnent des meilleures améliorations. De 3,5% de résistance au slow et de déplacement hors combat, on passe à 7% pour le Cloud Drake. Incroyable. Avec l'âme, vous passez à 15% de vitesse de déplacement. C'est monstrueux, c'était 10 avant. Dragon avec steak. Incroyable, regardez-moi ça. Déjà, il fait un peu moins mal, parce que bon, avant, il faisait ultra mal hein, au niveau de ses dégâts. Donc on nerf les dégâts des drakes globaux et tout et tout. Et surtout, regardez, on était à 6% d'attaque speed d'ability haste, on passe à 9 de chaque. Dragon Infernal, on passe à 6% par Drake, pour aller jusqu'à 24% d'AD et d'AP en plus. Colossal comme truc. Dragon des Montagnes, monstrueux, on passe à 9% aussi. Dragon des Océans, 3% de régène. Elder Drake, bon bah ça c'est globalement c'est HP, on en a rien à cirer.
Au niveau du héros de la faille, il y a comme un truc qui est assez intéressant, c'est que le deuxième va avoir un peu plus de HP. Et surtout, le héros de la faille, maintenant, quand vous le tuez, donne des golds locales. Les golds locales, c'est comme les tourelles. Si vous êtes proche à côté d'une tour qui tombe, vous allez récupérer des thunes. Si vous n'êtes pas proche, vous n'allez pas récupérer de thunes. Voilà. Donc globalement, la personne qui tue le Herald qui se rapproche, il y aura 200 gold. S'il y a deux personnes, chacune va récupérer 100 gold. S'il y a trois personnes, ça va être séparé en trois, etc., etc. Comme les tourelles. Même principe. Donc qu'est-ce qu'on va retenir de ce patch? Gros changement sur les Drake, il va falloir mettre une grosse prio sur les Drake. C'est assez cool parce qu'il donne beaucoup de stats maintenant. Alors que bon, avant c'était sympa, mais t'es pas obligé de le focus. Il va falloir les focus maintenant, vraiment. En termes de stats, je trouve ça colossal. Et le up global de ce dragon-là, en termes d'âme, il est incroyable, le Cloud. Vraiment, il n'y a que très très peu de drafts dans lesquels c'est pas fou. Héros de la faille, ça va être intéressant si tu pushes ta top lane. Nerf global, donc de la diminution de dégâts dans le jeu, on va dire. Donc j'aime bien cette idée-là, vraiment. Moi, ça me plaît beaucoup comme truc. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ok, on nerf les potions et tout. Donc tout ce qui est tanky, on le nerf. Enfin, moi, je suis trop content. Vraiment, parce que Bone Plate, c'était saoulant de devoir d'avoir un trade à peu près à prendre. Sunfire, changement, on verra un petit moment de Diana, tout ça avec. Les systèmes d'enchanteur, c'est nerf. En gros, on nerf toute la partie survivabilité dans le jeu pour augmenter potentiellement légèrement les dégâts sur certains détails. Ce qui veut dire aussi qu'on pourrait très bien avoir de la Riven un peu plus létalité. Hein. Ça se faisait déjà dans certaines conditions, et pas que, même d'autres personnages. C'est des petits détails, ce genre de choses, mais ça peut renouveler un petit peu la méta. Voilà, voir ça comme ça. La Campaign Action Sword, qui est un item trop cost efficient. Ok, elle était à 125%. Les autres items d'anti-heal sont à 110, 115% à peu près, donc ça doit les rejoindre, j'imagine. J'ai pas fait le calcul, mais on imagine ça. Nerf de Zeri, globalement, voilà, au niveau de son ult. Son passif va être plus pratique. Nerf de Yumi, c'est cool. Wukong, léger changement, léger nerf late. Varus, je pense qu'on peut avoir. Le pic est très très fort en lane, l'a toujours été, donc faut pas oublier, n'hésitez pas à jouer Varus, c'est très très balèze comme truc. Que ce soit en on-hit ou autre, en crit, enfin bref. Le pic est vachement sympa, son passif est très puissant en termes de statistiques. Sivir, globalement, c'est plus une correction de bug et surtout son Z qui va exécuter. Séraphine, c'est un nerf, plus de Séraphine AP, au revoir. Renata, n'hésitez pas à la focus en early. Ça, pour moi, ça va être le gros changement du patch. C'est Panthéon qu'on va beaucoup revoir en jungle. Donc si je dois vous résumer le patch, hein, c'est vraiment un peu moins de tankiness global au niveau des runes et des potions, des recharges, tout ça. Mais un peu plus de dégâts, on augmente un petit peu tout ce qui fait des dégâts. Retour de Panthéon, complètement. Le blanc qui va revenir aussi. Faites attention à ça, c'est un pic qui snowball beaucoup. Si vous êtes un AP face à Leblanc, faites le collier verdoyant. Into Banshee, Into Mercury, ce que vous voulez. Faites ça. Voilà. C'est trop important, quoi. Marre des gens qui marrent face à Leblanc, mais il est trop fort. Bah, fais un peu de résistance magique, hein. C'est un assassin, le but c'est survivre. Jarvan, un nouveau up, il arrête pas de se faire up, Jarvan. Jouez Jarvan, c'est fort, c'est facile à mettre en place. Genre vraiment, et on peut max le E potentiellement, c'est pas mauvais du tout parce que ça va permettre de rejoindre le CD du Q-Spell et du coup de faire plus de dash, etc., etc. Bref, tout dépend de vos options. Le max du Q-Spell reste plus intéressant en termes de damage output, bien sûr. Up de Janna, encore, Janna c'est fort, jouez Janna, encore une fois. Nerf de Gnar c'est cool, nerf de GP early, alléluia. Donc ce qu'on retient, up de Alistar, up de Janna, nerf de GP early, changement sur les dragons. C'est à peu près les choses dans le global qu'il faut retenir. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous avez apprécié le patch, à la prochaine, ciao.